السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا الدرس ديال البلوريال دي نون كومبوزي لورتوغراف لا باج 158 و 159. alors غادي نجاوبوا على الأسئلة ديال الصفحة 158 و 159 le livre Mes apprentissages en français ديال 16 ديال la 6e année. Alors غادي نبداو بجوبسيرف جو ديكوفر وغادي نحاولوا نجاوبوا على الاسئله اللي عندكم في جو مانيبول جو مونترين و جو ميفالو. Alors on va lire les questions les 9 j'observe et je découvre. La première phrase A. Il faut être très prudent au rond-point. Alors هنا كتلاحظوا بلي عندنا rond-point كلمة مركبة من جوج ديال الكلمات. عندي رون وعندي بوان دايرينها لكم اون كولور. الوغ بي جينيرالمون il y a des garde-fous sur les ponts. عاوتاني هنا عندي garde-fous اللي هي كلمة مركبة من جوج ديال الكلمات اون كولور. سي les appuie-têtes amortissent le choc en cas de collision. هنا عاوتاني عندي appuie-tête. Alors, il faut être très prudent au rond-point. Il y a une personne qui connaît Hadirin Bzef, le rond-point. Rond-point, alors qu'on connaît le Dérija rond-point, ou le Madar. Généralement, il y a des garde-fous sur les ponts. Alors, les ponts, un pont, il y a un contrat. Ou un garde-fou, on a donc les barrières qui connaissent maintenant. Donc, les hawajis qui connaissent Dérin, il y a que tu dis, il y a un contrat, que tu le cas, qu'il y a un hawajis d'urine. Donc, moi, je vais mettre un garde-fou. Les appuis-têtes amortissent le choc en cas de collision. Alors, appuis-têtes qui sont dans l'automobile. On va les mettre en place. Parce que ce qu'on gagne le cours de l'automobile, c'est le je sais pas comment on les appelle en arabe. Qu'est-ce qu'on a le pont à l'fort et les appuis-têtes. Alors, je manipule et je réfléchis. So, Aloul, Galoluk, observe les noms en couleur. Voilà, on les a observés. Je vois les éléments en couleur qui te connaissent jusqu'à l'image. Ou bien, ils ont un trait d'union. Alors, ce Altani, de combien de mots sont-ils formés? Voilà, je vais vous dire qu'ils sont formés. Alors, on va dire qu'ils sont formés de deux mots. Ils sont formés de deux mots. Ils sont formés de deux mots. Ce Altelt, quelle est la nature des mots qui forment chaque nom? Voilà, je vais vous la nature, la nature de ces mots, comment ils se connaissent? Est-ce un isme, est-ce un fi'il, est-ce un adjectif? Voilà. Alors, un rond-point, rond, tabia dit rond, il y a adjectif. Ou point, non. Alors, le last adjectif est non. Mais c'est plus comme adjectif, quand même, c'est ADG, c'est l'abréviation. Alors, B, on dit garde-fou. Garde, le verbe garder, alors, il est formé d'un verbe et d'un nom. C'est bon? On dit appui-tête. Appui-tête, alors, il est formé d'un nom et d'un nom. Non et non. On passe maintenant, je m'entraîne. Voilà, je m'entraîne. Ataoukoum. Entoure dans les phrases les mots composés. Radi d'ouvrir les kalimat l'morkaba. Yani radi nchoufou kalima li mtkoun jouj kalimat ou radi d'ouvrir les. C'est très simple. Antkoum A, ton haut-parleur gêne la conduite. Alors, kalima l'morkaba, hna ya haut-parleur. Ghalib el kalima l'morkaba ki kombinatoum un trait d'union. B, l'essuie-glace est indispensable quand il pleut. Voilà, haut-parleur A, haut-parleur B, non. Il y a un moukabir saout. Le haut-parleur, moukabir saout. Essuie-glace, voilà, l'essuie-glace est indispensable quand il pleut. Essuie-glace, rakangoula abdelja, kangoula ahna essuie-glace. Homa douk les juges, les kims, huyina jjej l'automobile. Parce que tu as un chat ou les quatre roulements, à les jjej, tu as un essuie-glace. Essuie, yam sahat dil jjej. On les zoujjej. Alors, c'est un laissez-passer est exigé pour passer le contrôle routier. Un laissez-passer. Laissez-passer qui est bhal wahed lwarqa qui est عندك. Parfois, tu as besoin de les. Je vais comme un exemple. Bhal dabal marsa, fach katbghi tdkhla, khassi ykon عندك un laissez-passer. Wahed lwarqa katsmah lik bel mourouf. Alors, D, sa voiture n'a pas d'appui-bras. Alors, hna, on va entourer appui-bras. L'appui-bras. Qui compte avoir automobile mais bien le coursier de l'sa et le coursier de l'idée qui compte
واحد الحاجة كنحطو عليها ليد المهم بين هذا وهذا سي سكون ابل انا بي برا اون باس لا 5ème question بيان 5ème exercice اونتور لو نون كومبوزي كوركتومون اورتوغرافي الوغ انا غادي ندورو على الشكل الصحيح الوغ لي رون بوين عطاكم رون بوين الاولى الوغ اون فوا اونتوري رون بوين اللي عندنا رون فيها اس و بوين فيها اس الوغ هنا عندي adjectif ou non, juge bien qu'il y a deux S. Alors les ronds-points sont des places circulaires d'où partent plusieurs avenues. Alors vous allez entourer rond-point, il fait DS ou point fait S. B. Certaines voitures ne disposent pas de repose-tête. Alors t'as comme repose-tête l'oulet, tiens, ou tel ça, vous allez entourer la première, il fait repose sans S ou tête sans S. Alors repose-tête, qu'est-ce qu'on a fait les voitures? واحد كتركب في السيارة باش كتريح لا تيت اون باس ماتنون السي الوغ سي لي بار بريز افيك اجيني دي فواتور دوافت اتر تري بروبر الوغ بار بريز لي غادين ندورو عليها هي لا بروميير. Alors, pare-brise, c'est un liège de l'automobile. C'est ce qu'on chauffe à sa air. D. Certaines voitures ont des pare-chocs, voilà, chromés. Alors, vous allez entourer pare-chocs, les pare sans S ou choc avec S. Il faut mettre des pare-boues à ta voiture. Alors, pare-boues, il y a qu'est-ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle les pare-boues. On passe maintenant à la sixième question. Sixième exercice. Alors, complète chaque phrase avec l'un des noms composés suivants. Attends, comme garde-boue, voilà, là, ça reste à l'écran. Porte-bagage, ou avec lesquels nous avons fait le bagage, qui compte le CRH. Aller-retour, qu'est-ce que tu as dit, va et vient. Tu as dit, qu'est-ce que tu as dit, alors, on se retrouve à faire. La plupart des voitures n'ont pas de porte-bagage. أغلبية ديال السيارات ما عندهمش بورت باجاج الوغ بورت باجاج كيديروه السيارات اللي كيكونوا كيسافروا وعندهم الأمتعة بزاف فوالا il te faut un garde-boue pour ton vélo le garde-boue كتكون فوق من الرويضة ديال لا بيسيكليت on passe maintenant c'est évite ce va et vient sur le trottoir car tu gênes les passants. Voilà, parce que tu vas rédiger, évite. Il y a une idée de rédiger, ou qui va rédiger. Sur le trottoir, forme un trottoir ou le racif, car tu gênes les passants. Parce que tu vas déranger les gens qui nous désignent. Alors D, si tu voyages, prends un billet aller-retour, car c'est plus sûr et moins cher. Alors, si tu vas prendre un billet aller-retour. Il y a une idée de rédiger, aller-retour, rédiger. On passe maintenant, je m'évalue, mais les mots composés entre parenthèses au pluriel. Attends, comme les mots, il y a entre parenthèses, radinduron, le pluriel. Alors, les conducteurs peuvent ranger leurs papiers dans des porte-documents. Alors, porte-documents, porte-radcon sans S et documents avec S. Il faut laisser une distance normale quand on est derrière les porte-auto. Alors, porte, c'est la même chose. Porte sans S, علاش ما درناش porte S حيت لا ناتور غراماتيكال ديالو سان فيرب porte sans S auto avec S. Maintenant C, les porte-chars ont la priorité sur les voies de circulation. Alors porte sans S et char avec S. Les porte-chars هما هادوك تيكون ان كاميون وراه تيهز بحال دبابات ce qu'on appelle le porte-char. Huitième exercice, donne quatre noms composés et utilise chacun d'eux dans une phrase. Alors, à cette heure, il y a les noms composés, on dirait un jumla. Alors, on a dit comme les enfants s'amusent avec des cerfs-volants sur la plage, voilà. Alors, la fête des grands-pères existe depuis octobre 2008. Elle n'a grand-père, c'est un mot composé. C'est, il y a des coffres-forts dans la plupart des hôtels. Les coffres-forts, هما اللي كنديروا فيهم داك شي حاجه اللي كانت عندك غاليه ولا شي حاجه كتخاف عليها كديرها في ان كوفر فور. Et dernièrement, j'ai acheté
des haut-parleurs. Voilà, alors comme ça, quand on est à la fin de la vidéo, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en bas.